ça a été comment ton devoir de maths qu'on a fait? Bah c'était très bien. Alors tu as eu quelle note? J'ai eu un 20 sur 20. Oh génial, je suis trop contente parce qu'il était compliqué à faire. Ouais, carrément. Et tu penses qu'aujourd'hui ça va aller? Bon là on va passer une bonne soirée. Bonjour, moi c'est Mélanie, je suis l'une des organisatrices de la 3e édition de la Troyo Une. Cette année, elle aura lieu le 26 octobre à la salle des fêtes d'Elingant. Nous vous y accueillerons dès 18h. Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site Junco. Qu'est-ce que c'est que la Troyo Une? La Troyo Une, c'est un parcours trail ou marche à faire en famille ou entre amis de 8 km. Sur ce parcours, vous allez rencontrer des obstacles naturels ou des obstacles créés de nos mains pour s'amuser. Vous verrez aussi des scènes parfois gentilles ou parfois effrayantes. Cette année, quelques nouveautés. Nous avons mis en place une garderie pour que les parents puissent faire le parcours tranquillement. Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur le Facebook de la Troyo Une. Attention, les places sont limitées. Il y a aussi un concours de déguisement, un concours de déguisement adulte et un concours de déguisement enfant, avec de nombreux lots offerts par nos sponsors. Moi, c'est Fabrice, président de Sport Évasion des Deux Caps, organisateur de la Troyo Une. Je vais vous parler des départs. Donc, les premiers départs auront lieu à partir de 19h30, donc c'est pour la marche. Ce sera un départ libre entre 19h30 et 20h30. Et ensuite, il y aura un départ groupé pour les trailers à 20h45. Le parcours est essentiellement en forêt. Il se passe de nuit, donc n'oubliez pas vos lampes frontales. Les chemins sont très sauvages. Vous rencontrerez certainement aussi des choses effrayantes, des personnages effrayants. Il y aura plusieurs tunnels à franchir. Et si vous arrivez au bout, petite médaille finisher vous sera offerte. Et surtout, après l'épreuve, n'hésitez pas à rester avec nous pour faire la fête. Un DJ local sera là pour mettre l'ambiance. Pendant la soirée, il y aura une restauration sur place. Il y aura saucisses frites, jambon frites ou poulet frites réservées sur le site Njuko. Alors surtout, n'hésitez pas à venir nombreux pour faire la fête avec nous. Samedi 26 octobre 2024. Nous t'attendons à partir de 18h.